Je m'appelle Sylvie Dumas, je suis votre guide et aujourd'hui nous allons visiter la Tour Eiffel. Cette fois-ci, fais attention à elle. Aramis! Cette fois, c'est la fin. Dio minna, shoshin toru yo. Hai, chi zu. Are? Paris! On va tous crever!
怪人が人々を襲っているようです。こいつらがその正体です。この怪物者。Adieu France 5. Le jour de gloire est arrivé. Quelqu'un va venir s'occuper de vous. Sylvie, je n'ai jamais voulu te le dire. Mais maintenant, je crois que je n'ai plus le choix. Albert ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Suis-moi. Salut Antoine ! Mais c'est ta sœur ? Eh oui, je suis tombé sur elle pendant ma patrouille. Son groupe de touristes était poursuivi par un régiment de Lexos. Une chance que je sois passé par là ! Ça me fait plaisir de voir que t'as rien. On commence à se faire du souci. Je suis ravi que tu aies retrouvé ta sœur, mais j'aurais préféré que tu nous ramènes le professeur. À ce sujet, du nouveau ? Non, toujours rien. Bon sang, presque une journée que la tour Eiffel est tombée, et plus aucune nouvelle. J'espère qu'il n'est pas... Mademoiselle ? Jean, tu as encore oublié les sans le ticket. Jean. Tiens, bonjour. Tu dois être Sylvie, n'est-ce pas ? Stop ! Attendez, on est où, là ? Et c'est quoi ce truc ? Monseigneur veut converser avec ta misérable personne. Sors de mon chemin, valet. Ce n'est pas ainsi qu'un seigneur Lexos traite un invité d'honneur. Que me veux-tu, prince du mal ? Le mal ? Que sais-tu exactement du mal, professeur Burgonde ? Où suis-je ? Que m'est-il arrivé ? Cela fait de précieux jours que tu croupis ici. Tandis que mes légions victorieuses réduisent tes semblables en esclavage. Oh, c'est impossible. Les France 5 ne te laisseront pas faire. Les France 5. Hélas, ils ne sont plus de ce monde. Mais ne t'inquiète pas. Ils ont souffert avant de mourir. Mais maître, vous savez bien qu'ils se sont enfuis. Monstre. Pardonnez-moi. Bien, bien. Ne t'inquiète pas, tu ne tarderas pas à les rejoindre. Tu t'es montré digne d'être traité en ennemi de l'Empire Lexos. Tu auras l'honneur d'être exécuté en place publique. Tu peux faire ce que tu veux de moi. Ça n'a plus d'importance maintenant. Ah, les voilà. Enfin. Prenez bien soin de notre hôte, soldat. Je ne voudrais pas qu'il rate son exécution.
Tout s'est passé si vite. Qui sont ces créatures? Oh, ça me rappelle d'affreux souvenirs. En fait, ce sont des Lexos. Et ils sont là pour nous envahir. Des Lexos? Alors tu fais partie de la Résistance? Mieux que ça, je fais partie des France 5. Non. Et t'es quelle couleur? Ça fait déjà des mois que nous combattons des créatures venues de l'espace avec l'appui secret du gouvernement. Malheureusement, on a été dépassés il y a quelques jours, ce qui a déclenché l'invasion massive. Nous avons été pris par surprise. Ils ont détruit notre quartier général. Mais on n'a pas perdu la guerre. Mon frère en France 5. Albert, je suis fière de toi. Ça doit pas être facile tous les jours d'être un héros. Surtout en ce moment. Au fait, tu m'avais pas dit que tu revenais à Paris? Bah, tu me l'avais jamais demandé. Génies ont leur petite faiblesse. Tu ne vois pas si bien dire, mon fils. Oh, mais c'est... Oui. Des gentils France 5. Parfaitement. C'est France 5 que tu m'avais promis d'éradiquer. Ces cafards sont des durs à cuire. Alors, que comptes-tu faire pour débarrasser le tableau de ma victoire de ces quelques insectes? Père... Sachez qu'aucune planète ne m'a résisté jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ce petit contretemps sera facilement rectifié par ma garde personnelle. J'avais pensé vous faire venir afin de régler les détails habituels de soumission des peuples inférieurs. Mais ce que je vais vous proposer risque de s'avérer beaucoup plus intéressant et... sportif. À vos services, maître! Garlock veut briser leurs os, mais les garder en vie! Bonne idée! Leur viande aura un meilleur goût! Faire couler le sang des ennemis de l'Empire Lexos est toujours un plaisir! Il paraît même que l'heure est écarlate! J'ai hâte de voir ça! C'est donc sur cette planète qu'on l'a traîtreusement assassiné. Vous connaissez ces hommes, père. Ils sont l'élite de l'armada Lexos. Et je suis sûr que leur présence vous assurera une victoire écrasante. C'est une vaste planète, mon fils. Comment vas-tu débusquer l'aura qui s'y terre? Avec un appât de choix, père. Lady Warcry. Maître, je saurais me montrer digne de la tâche que vous nous avez confiée. Sont-ce vraiment eux qui ont tué mon père? Il est mort en brave, mais... il est bien mort de leurs mains. Alors ils connaîtront l'enfer avant que je leur ôte la vie. Prends ceci. Et profite de ma générosité. Elle n'est que trop rare. Tant que tu ne sauras pas arracher une colonne vertébrale avec tes dents, tu ne mérites pas d'être ma fille! Ah!
noble art du carnage. Et je compte me montrer digne de vos leçons pour punir vos meurtriers. À la manière Warduke! Silence, il va parler. Écoutez-moi, créature de la Terre. Pour fêter l'avènement de mon père, Gloumanchou le Divin, je vous offre un spectacle que vous n'oublierez jamais. C'est cet après-midi qu'aura lieu l'exécution publique du plus grand terroriste terrien, le mentor des France Five. Le professeur, vivant, un piège, classique. Il faut le sauver à tout prix. Ce primate vivipare aura l'honneur d'être mis à mort selon les rites Lexos. Les lâches! Au lieu de venir à nous, ils nous font venir à eux. Je n'aime pas ça. Nous devons y aller. Non, c'est un piège! Vous faites ce que vous voulez, mais moi j'y vais! Non, Jean, c'est exactement ce qu'ils attendent! Thierry, nous n'avons pas le choix. Antoine a raison. Silver a donné sa vie pour qu'on continue le combat. Si on ne fait rien, son sacrifice aura été vain. Merci, Catherine. Bien sûr, il n'est pas question de foncer tête baissée dans ce piège. Mais alors ? Ne t'inquiète pas, nous irons sauver le professeur. Tu penses qu'on a une chance ? Oui, sans aucun doute. Tu penses vraiment ce que tu dis ? Ça me semble clair pourtant. Forcément, si tu pars vaincu d'avance. Comme si je pouvais faire autrement. Et puis tu regardes jamais derrière toi. Aouh, ça doit faire mal. Tu vois bien que je pouvais rien faire. Et là, tu fais quoi? Tu la regardes, sans rien tenter? Elle correspond à ce que nous recherchons. Emmène-la! Laisse-la tranquille! Mais je ne peux rien faire! Tu n'essayes même pas. Mais c'est vrai qu'il m'abandonne. Pauvre chaton. T'as pas honte? C'est vrai. Je suis un incapable! Ces roseaux sont intelligents. Ils plient sous mes coups avant que je ne les brise. Plus fort ! Je veux vous entendre hurler le nom de celui qui vous a soumis. Sakharal ! Sakharal ! Sakharal ! Sakharal ! Sakharal ! Quel mégalo. C'est bien ce qu'il perdra. Chut. Regardez.
Regarde, champion. Voici ceux que tu voulais protéger de ma bienveillance. Aujourd'hui, ils sont venus assister à ta fin. Quelle ironie. Tant qu'il y a de la vie, l'espoir fait vivre. Alors tu peux arrêter d'espérer. Maintenant. Le petit, vivant. Quoi? Les France-Five. Sakaal, relâche le professeur immédiatement. Avoue que tu ne t'attendais pas à ça, hein? Tête à corne. Non, pas du tout. Quelle surprise. Je suis complètement pris au dépourvu. Et toi, Succulard ? J'en ai l'appétit coupé, Seigneur. Et vous, chers amis, compagnons, vous attendiez-vous à l'arrivée de nos héros ? Oh, mais pas du tout, Seigneur. Bête ! Et vous, les Terriens ? Vous attendiez-vous à l'arrivée des France Five ? Non, vraiment personne. Personne ne vous attendait, les France Five. Et il n'existe décidément pas de héros plus prévisible et suicidaire dans tout l'univers. Votre mort sera lente et fascinante. Alors, à défaut de me surprendre, amusez-moi une dernière fois. Allez. Arrête ! Je vous avais dit que c'était un piège. Et alors, tu voulais faire quoi ? Laisser le prof mourir ? Mais il en sort de partout ! Antoine n'en tiendra pas longtemps à ce rythme-là. Non, on met le paquet. Transfile ! Transformation ! Mesdames, messieurs, vous venez d'assister à la dernière transformation de France 5. Pink, à la mode! Yo, baguette! Blue, accordéon! Black, beaujolais! Red, fromage! On y va! C'est parti! Come on, Blaze! Alors, Zakaal, as-tu d'autres larbins à corriger ? Tu. Thank you.
professeur. Tu comptais vraiment sur ces asticots pour venir te sauver. C'est pas possible. Non! Le fromage en dessert. Cette force, on jurerait que... Oui, dis-le. Allez, nous avons assez ri. Pour vous, tu l'auras voulu, Baby Bomb. Je l'ai senti passer celle-là. Je crois que tu en as assez vu. Professeur! Classique. Et non. Le professeur? Mais, il est sauvé. Professeur, rien de cassé? Professeur, vous êtes vivant. Vous avez réparé Margarine et vous l'avez emmenée avec vous? Oui, elle a insisté pour venir. Brave petite. Circuit essayez de gagner du temps. On a peut-être encore une chance. Vous pouvez compter sur nous, professeur. Circular. Oui, maître. À toi de jouer. Avec plaisir. Approchez. Provocateur. Prépare-toi, Gorlock. On y va. On va le dégommer. Tiens. Il y a du sang. Gorlock, content. Allons, Red. Relève-toi. Et viens m'affronter pour la dernière fois. Tu ne crois pas si bien dire. Je suis prêt, Zakaral. Ah là là, mastoc le Gorlock, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Hein? Trop d'humiliation. Trop de raillerie, France 5. Nyeh! Vous allez regretter de m'avoir traité de vermisseau stupide. Nous? Mais on n'a jamais dit ça. Si, tu l'as dit. J'ai entendu. Bon, d'accord, si tu le dis. Que se pousse, se pousse. Le mal est présent, le mal me va comme un gant. Diamond Blade. Je dois le vaincre. Reviens ici. Double Camembert Blade. Double fromage. Quoi? Bon, pas le temps de jouer avec ce guignol. Mais lâche-moi. Hein? Quoi? Déchaîner les forces qui sont en moi. Tu sais que tu en passes le formol. Jean. Ça va, Catherine? Attention. Dégagez-la. Je suis désolée. J'aime bien dépecer mes proies vivantes. Hein? Attends, tu vas voir. Tu vas te couper, mon mignon. J'arrive.
chauffer la viande quand elle est bien saignante. Je ne pensais pas devoir en arriver là. Tel est prix qui rira le dernier. 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 Attendons instruction. Marguerite. Veuillez répéter. Opération. Veuillez répéter, s'il vous plaît. Exécutez l'opération Jargovi. Reconnaissance de la voix confirmée. Opération Jargovi activée. Rapport vital des 5 couleurs. Situation critique. Chance de survie inférieure à 1,7%. Estimation de la durée de transfert des nouveaux étendards. Environ 6,4 secondes. Attention, cet équipement n'a jamais été testé. Il va l'être. Et tout de suite. De la vie, le soleil étend ses rayons sur Paris. Dans la ville, une voix qui nous appelle, un sourire, une hirondelle danse dans le ciel. Cinq couleurs, un seul destin, la France au petit matin. Le boulanger a fini de cuire son pain. Le soleil se lève, la belle journée que voici. En avant pour l'aventure, ce beau pays. La tour Eiffel est si belle, belle quand on est près d'elle. Avance droit devant toi et ne te retourne pas. Deviens un bel oiseau, pose-toi là tout là-haut. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Oh. Un colosse aux pieds d'argile que t'emporte le vent au-delà des océans. Deviens un grand oiseau, envole-toi tout là-haut. Mousquetaire, enfant de la terre. Non. L'histoire n'est pas finie. Courage, espoir, deux mots qui auront inspiré et guidé les France 5 pendant toutes ces années de bataille. Aujourd'hui, ils se préparent à livrer le plus grand combat de toute leur vie, le plus grand combat de toute l'histoire de l'humanité. Pink, Yellow, Blue, Black et toi, Red, le destin de notre planète est entre vos mains. Prochain et dernier épisode, cette fois c'est la fin. Antoine face à son destin.